mois de juin et jusqu'à mi-juillet. Traditionnellement, on a une campagne qui s'appelle hashtag prenez le relais, un mois pour tous donner, afin de reconstituer des réserves suffisantes pour passer le cap de l'été en termes de produits sanguins, puisque la demande au sein des hôpitaux ne faiblit pas durant tout l'été, alors que les donneurs et l'offre de collecte a tendance un petit peu à diminuer, puisque les donneurs sont moins au rendez-vous, ils sont en vacances, eux, ils n'ont peut-être pas toujours envie de penser à nous aussi souvent que pendant le reste de l'année. Alors pendant le confinement, c'est sûr qu'on a fait face à une période très particulière qu'on a inédite, mais comme pour tout le monde, et les donneurs étaient au rendez-vous. On les remercie énormément d'avoir été présents, répondu à l'appel, puisque c'est vrai qu'il y avait un fort besoin à ce moment-là aussi, puisqu'il y a beaucoup de collectes qu'on a dû annuler, qui était prévu dans les facultés, dans les lycées, dans les entreprises. Et donc que les gens se présentent sur les collectes restantes, c'était indispensable et vital. Et puis il y a eu le déconfinement, où on n'a pas pu nous reprendre les collectes dans les facultés, dans les lycées, dans les entreprises. Et là, les gens ont repris un petit peu leurs activités classiques et étaient un peu moins présents. Et depuis cet appel de mi-juin, eh bien, ils sont à nouveau là. On peut donner son sang total, ça permet de faire trois produits, un don de globules rouges, de plasma et de plaquettes, hein, dans un don de sang total. C'est pour ça qu'il y a le slogan « Un don sauver trois vies ». Et puis, 14 jours après un don de sang, on peut revenir effectuer un don de plasma.